yeux embrassent la vie où je m'apprête à plonger. Traquer l'insipide dans des lieux où traînent ceux que le temps a rongé. Mes proches sont des griffes, colossales gifles. Dès que l'encre gicle, plus froid que le givre. Moi je viens désosser, vivre comme une pensée. Je pose comme j'ai ventre, fais l'idée. Avant il y avait deux pôles, Paris, dans une seconde mesure Marseille. Là maintenant, ouais. il y a dans toutes les villes de France, il y a quasiment 100 représentants. Ça fait longtemps, ça. C'est uniquement le rôle d'Internet qui a changé ça. Qu'est-ce qui bloquait le fait de faire monter certains groupes. Tu trouves que ça a beaucoup changé? Nous, à l'époque, on tournait, il y avait des gros groupes dans chaque... Dis-moi des... Moi, je me rappelle que... Non, mais dans les derniers, dans les 10 derniers rappeurs, que tu m'as cité, par exemple, même nous, on l'a cité, sans moi, allez... 4 artistes qui sortent d'une autre ville que Paris. Niro, Blois, Joke, Montpellier, Orelsan, Caen. Ouais. Joke, je l'ai pas, même parce que tu l'aurais pas cité, Joke. Si. On l'a mis, Joke. Non, je l'ai pas mis. Enfin, si, je peux le mettre. Mais... Ah oui, je l'avais pas mis, oui. Non, Perso, mais... Avignon. Non, mais pour ça que. Tu sais quoi? Tu vas voir que. Le quand tu dis les deux pôles, à un moment donné, c'était. Là aujourd'hui, c'est pour moi, c'est une grosse domination. Une grosse part. De Paris et sa région, et après il y a une petite part de province, et quand ça arrive à nous, par exemple, quand ça arrive aux Marseillais, c'est ouais, on a la minute des Marseillais, c'est à dire que c'est il peut pas en avoir deux ou trois, c'est la minute des Marseillais, et voilà. Non, mais à l'époque, il y a Paris, Marseille. J'ai pas parlé qu'il y a une discrimination, j'ai juste dit. C'est le constat que je fais. C'est tout. C'est après. Voilà. Il y a un souci, je pense, de manque de diversité. Déjà, on manque de radio hip-hop ou de radio rap ou radio musique assimilée en France, surtout à l'échelon national, parce qu'après, dans chaque ville, il y a des petites radios blacklist spécialisées et tout. Mais je pense qu'effectivement, si tu prends. La radio qu'on dit être la radio rap aujourd'hui en France, je pense qu'effectivement, dès qu'on parle de rap français, on va avoir tendance à mettre en avant le rap parisien. Mais si demain il y avait 12 radios en France et puis que nous on puisse émettre nationalement de Marseille et faire découvrir à la France ou à l'Europe le rap marseillais, je pense que tout le monde aurait des surprises. En plus de ça, pour la totalité des groupes dont tu parles, c'est quasiment que des gars qui ont soit déplacé leur vie à Paris, c'est ça. se sont fait connaître avec des duos, avec des rappeurs parisiens. Ouais. C'est la réalité aujourd'hui. Des monstres comme des mecs qui sont monstrueux comme Némir à Perpignan, ou des mecs comme Vust Lyriciste qui est un monstre du rap, mais vraiment sous-estimé. Si jamais ils décident pas de se déplacer ou de faire des duos, ils ne t'aiment pas parler. C'est ça, quand tu m'expliques les deux pôles, je sais pas. Après, je connais pas tout à l'heure. Attends, Marseille, il y a d'Orelsan. Ouais, tu vois, je connais pas tout à l'heure. Mais il me semble pas qu'il ait marqué, genre, dans ses lyrics, hein, sa région. C'est-à-dire que où il prend tout le temps sa région ou il prend toujours son truc. Tu sais pas, je connais pas tout. Justement, il joue de cette différence. Ça, je connais pas. C'est vrai. Tu vois ce que je veux pas. Non, mais après, il tourne à la dérision, donc je suis d'accord avec lui. Il s'en sert, mais pas dans le sens revendiqué. Il y en a d'autres. Des villes comme Lyon ont toujours eu de très bons producteurs, de très bons beatmakers et quelques très bons rappeurs. Ouais, c'est exposition. Ouais, malheureusement, à Lyon, ça s'est jamais passé au niveau national, ce qui est très dommage, parce que nous, quand on a commencé, on côtoyait des groupes de Lyon, hein. Bordeaux, Lyon. Mais ça n'a jamais explosé au niveau national. Pourtant, nous, on a croisé à Lyon, surtout au niveau des beatmakers, on a croisé vraiment des mecs qui étaient vraiment super forts, qui faisaient des super prods. C'est une ville hip-hop, très hip-hop, Lyon. Oui. Toulouse aussi. Oui. Il y a des MC. Toulouse, Lyon, Lille. Des villes très hip-hop. Alors, on va parler de Marseille maintenant. Ouais. Marseille qui est au cœur de l'actualité. Hein. Déjà à travers tous les règlements de compte, mais aussi parce que c'est l'année de la capitale culturelle. La question que je vais vous poser, moi je connais à peu près déjà la réponse parce que j'y ai passé du temps, mais j'aimerais savoir un peu si vous pensez que l'image que renvoient les médias est vraiment celle de la ville. Pas complètement, mais en même temps. Des fois, on se dit que malheureusement, c'est triste, mais c'est presque mérité.
parce que ce qui a conduit à avoir cette actualité-là, c'est justement la non-présence de la culture dans certains quartiers qui, je le rappelle, font juste une superficie qui est équivalente à la ville de Paris et qui abrite environ 400 000 habitants. Donc, quand ces quartiers-là sont désertés culturellement, l'esprit et le cœur des gens qui y habitent ne remplissent de rien. Et économiquement. On peut parler de Toulon, puisque c'est strictement la même réalité que Marseille. On en parle un peu moins, mais c'est une ville qui est quasiment la sœur jumelle de Marseille. Et ce qui se passe à Marseille se passe à la Seine, se passe à la Beaucaire, se passe aux Œillets. Enfin, c'est une réalité qui est très proche. Donc, au bout d'un moment, si on pense que ces gens-là sont inaptes à recevoir un contenu culturel et à accepter dans leur cœur des choses qui les divertissent et qui les fassent rêver un peu, qui se projettent dans autre chose que le fait de posséder une Audi A3, de sortir le week-end sans mettre plein le nez et de se taper la bonne gonzesse et d'avoir des cartes volées dans ses poches, si le futur c'est ça, c'est sûr qu'on est très mal barré. Parce que cette culture et ce futur-là, ils se la dessinent à travers le seul objet culturel qui les occupe, la télévision. La télévision, ils regardent quoi ? Des émissions de télé, une réalité pitoyable, où on leur dit à longueur d'émissions de télé, tu es nul si tu possèdes pas ça, trahir ses potes c'est cool. Non mais c'est pas ça, c'est les personnes qui gagnent. C'est la stratégie. C'est les personnes, c'est pas ça. Le fourbe gagne. C'est-à-dire que les personnes qui gagnent, en général, c'est la personne qui a menti, escroqué, volé, tout. On est loin de la marge des beurres. On est très loin de la marge des beurres. Et d'ailleurs, l'autre fois, je regardais un documentaire à télé, et c'était sur Planète Plus, il y avait des interviews pendant la marche des beurs. Mon fils, il regardait, il disait, oh, il parlait bien. Il parlait mieux que maintenant. Il y a un souci. Il y a un souci dans les quartiers où il y a une forte population immigrée, quand des enfants manient super bien le français en 1983. C'est quand alors qu'ils sont fils de gens illettrés qui parlent pas le français, et que maintenant tu vas dans certains quartiers et ça conjugue mal le présent des verbes du premier groupe. Problème. Gros problème. Mais il y a un problème qui n'est pas aussi inhérent qu'à ces jeunes-là. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ces jeunes-là ? On les a mis dans des écoles où les jeunes s'en battaient les couilles de leur donner des leçons. Ils ont été livrés à eux-mêmes. On leur a inculqué des mauvaises valeurs. Bien sûr, il y a des mecs tordus. Bien sûr qu'il y a des mecs tordus dans un quartier, mais je vais dans le 16e, je te trouve des tas de mecs tordus aussi. Hein. Sauf qu'ils font pas de paix, ils font pas de bruit, ils ont pas de calache entre les mains, ils se règlent des comptes autrement. Mais c'est le même type de violence. Tu vois, les hommes et les femmes politiques, c'est le même type de violence. Sauf que cette violence appliquée à la population pauvre, ça fait du bruit, ça fait des ordres. Mais les délinquants sont les mêmes quand ils sont riches. Et si on veut arriver à réduire le nombre de gens qui basculent dans cette délinquance-là, il faut leur donner de la profondeur, du fond, des perspectives, un rêve, des possibilités du travail. C'est très simple, hein. Enfin, bon, c'est difficile à mettre en place, mais c'est simple sur le papier. Y'a pas d'amour ici, cette guerre à plein régime, régie par les lois, les victimes, qu'importe les origines. J'ai dû rater un truc. Peace, love et having fun sont devenus bitch, drogue et heavy guns. Alors il y a un lieu où ça va être le désordre, mais positif, cette fois. C'est le Stade de France, le 8 septembre. Ouais. La première fois, Urban Peace pour Ryan. On a eu la possibilité de faire autre chose que trois morceaux qui s'enchaînaient. Pourquoi on a dit non au premier Urban Peace ? Bon, le deuxième, après, on n'a pas été invité, tout ça, mais le premier, on nous a proposé de faire trois titres. Connaissant très bien ces plateaux multi-artistes, on sait que sonorement, c'est un chaos sonore. Donc reprends l'enregistrement du Urban Peace 1 et tu vois qu'il y a certains groupes dont la performance est complètement plombée. Techniquement, elle est massacrée. Nous, on avait vraiment peur techniquement de le plateau multi-artiste, c'est pas quelque chose qui nous plaît. Là, quand on est venu nous présenter la chose, c'était à deux, on a été invité par les gens du Stade de France. Donc l'invitation est venue du Stade de France directement. Et on nous a dit, vous allez jouer 45 minutes avec cette personne. On a regardé le line-up et on s'est dit, ben, pourquoi pas jouer au Stade de France, pourquoi pas monter sur scène et faire ce live, surtout qu'on se retrouve dans cette soirée-là avec beaucoup de gens avec qui on a des affinités musicales ou avec qui on partage une même vision du,
du rap, même si on fait un parce que ça fait différent. Ça fait bizarre un peu aux gens c'est de vous voir mythique quand même un... donc oui on avait que plein de choses dedans bizarre, mais on est pas non pour non non pour les pour gens nous, mais parce que c'est un concert Skyrock au même titre qu'on va en Égypte ou à New York. Attends. Jouer au Stade de France pour nous c'est pareil. Non mais c'est normal bien sûr. Je veux préciser, c'est-à-dire ouais, c'est parce que c'est un truc Skyrock mais on a dit quelque chose de mal à Skyrock non? Non. Non mais dis, non mais faut. Non parce que nous on nous attribue des propos. Que... Non pas des propos. Moi j'ai fait des interviews de d'Ayam où je sais que vous avez eu des beefs avec Skyrock. Toi, on en a parlé l'année dernière aussi. C'est pour ça de voir que c'est la tête d'affiche chez Ayam. Non mais même les normal. Même les beefs que tu dis. Même les beefs que tu dis. On a dit quoi? Non mais bien sûr c'est pas méchant mais. On sait que Ayam et Skyrock c'était pas c'était. Parce qu'on a des convictions et qu'on n'aime pas que les gens fassent que n'importe quoi avec notre musique. Si certains l'admettent, c'est leur problème. Mais nous, artistiquement. Non, on ne fait toujours pas d'écoute privée, de revoir, on choisit nos singles et on ne donne pas de pourcentage. On n'y touche pas. Et au mix, il n'y a personne qui vient. Et on ne donne pas de pourcentage. On ne donne pas de pourcentage, donc il y a des gens qui donnent des pourcentages. Ah, je ne sais rien. Mais tu crois que. Vous savez mieux que nous, vous êtes sur Paname. Nous, on a tout savoir. Vous êtes comment sur Paris? Quand il y a des radios autres que Skyrock, on va évacuer les problèmes Skyrock. Parce que le problème des gens du rap, c'est qu'ils focalisent sur Skyrock. Alors que c'est un problème de radio en général. C'est que maintenant, les radios, ils viennent, ils te disent « Bon, je te rends ton titre, mais tu m'en prends 4000 ou 5000 en espace pub. Qu'est-ce que tu fais quand tu prends 5000 en espace pub pour que ton morceau rentre en programmation ?» Tu donnes un pourcentage, tu payes. Donc la réalité du monde de la radio aujourd'hui, le passage en radio est payant. Mais dans toutes les radios. Et dans plein d'autres endroits, il y a des choses qui tout se payent maintenant. Dans plein... Pour plein... Les... Oui, mais enfin... Moi, tu prends de la pub, enfin c'est de la pub. Ils le disent différemment. La position d'Ayam, elle est très simple. Ça s'est présenté, je ne dirai pas le nom des radios qui ne sont pas Skyrock. Et même si Sparset Spirit est joué sur Skyrock en ce moment, pour l'instant, on n'a pris aucune pub sur Skyrock. On attend de voir ce qui se passe réellement. Mais par contre, sur les autres radios, dans le plan promo, il y a des gens qui nous ont dit oui, on vous met dans des émissions, mais par contre on ne joue pas le titre parce que vous n'avez pas pris de pub. Paf, la promo elle saute, les émissions elles sautent. Pas de rotation, on n'y est pas, on ne vient pas jouer. On ne vient pas de présence, pas d'émission, pas de plateau si on n'est pas joué sur votre radio. Pas en rotation. Des fois il faut prendre des chiffres. Moi je tiens à dire. Si tu veux enrayer les choses, des fois il faut taper un peu sur la table et prendre un peu les couronnes et dire non. Mais je tiens à dire un truc. C'est encore plus difficile pour des artistes qui débutent alors dans ce cas. Ça c'est sûr. Ça je sais pas ça. C'est sûr. Non, si c'est plus difficile quand tu n'as personne derrière toi pour dire ouais, va te faire enculer un patron de radio, c'est plus dur. Nous, c'est un luxe qu'on peut se permettre. Dès le début, attends, ne nous méprenons pas. Ok, on a les titres qui passent. Ok, non, parce que là, tu as prédit un bon. Attends, on a les titres qui passent. Dès le début, on n'avait jamais fait cette concession. Ben voilà, c'est ce que j'ai dit. Ah, vous voyez du high. Là, on a les titres qui passent. C'est une chose. On a postulé à aucune part pour qu'ils passent. Et si demain, la même action qui s'est produite à l'époque où j'ai décroché mon téléphone se reproduit sur un des morceaux d'Ayam, la réaction sera la même. De toute façon, faut pas se méprendre. Ouais. C'est pas pour ça que demain tu peux éditer un morceau, rajouter un refrain ou venir au studio pour écouter les mix. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est. Je défends, je suis l'avocat du diable, mais c'est le format des radios. J'aurai une heure où tu fais pas un editing derrière ou tu rajoutes pas un refrain parce que tu penses que c'est mieux pour toi. Non, c'est vrai, rajouter un refrain. Voilà. Enfin, c'est simple, ce qui est valable pour Sky est valable pour toutes les autres radios. Notre morceau, il est tel qu'il est. Tu le joues, c'est bien, tu le joues pas, tu ne touches pas le pitch. Tu préfères. Ça a été le. Je te l'expliquais déjà. Ça a été notre positionnement, mais là c'est le même. Là ça passe, c'est bien. Si demain il nous refait la même chose, on remontera au créneau de la même façon. Non mais je vois pas où ça interfère avec Urban Peace quoi. C'est ça que le truc. Non, Urban Peace, on sait que c'est un concert Skyrock, c'est de la radio. Non, c'est pas que Skyrock. Non mais excuse-moi. Non mais oui mais l'histoire de l'image. Oui, l'histoire de c'est pas énergie, c'est pas. L'histoire d'Urban Peace. Le premier c'est Skyrock qui l'a créé. C'est Karim qui a fait le. C'est un mec de Marseille. C'est un mec de Marseille. Je vais dire ça, mais nous on n'est pas les nettoyeurs non plus. C'est-à-dire que nous on fait de la musique. Sans plus. C'est-à-dire que nous on arrive, on fait de la musique, c'est tout. On nous donne un moyen pour s'exprimer, on vient, on fait de la musique, c'est tout. On n'a rien d'autre. Non mais c'est bien comme ça. On n'est ni les méchants, ni les nettoyeurs, ni rien du tout. Mais toujours est-il qu'on défend notre musique avec fermeté. C'est tout. Et Stade de France, vous l'avez jamais fait. Hein.
Non, jamais. Non, mais c'est pas ça, ouais, ouais. Super content. Nous, par contre, c'est un kiff, hein. C'est un kiff d'aller jouer. En fait, toutes les questions métaphysiques, on ne se les pose pas. Non. C'est où on va jouer avec les artistes qui sont présents dans le timing, qui nous sont présents en respectant notre musique et les conditions techniques qu'on a. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on a joué? Après, ce qui est joué en radio derrière, tout ça, c'est eux qui décident. Vous allez choisir les titres que vous allez jouer. Bien sûr, on ne vous a pas imposé. Non, jamais. Parce que vos anciens morceaux repassent en radio là. Oui, mais on a rejoué. Mais c'est bien. Non, mais nous, les classiques, on les joue sur scène. Ouais, bien sûr. Ceux qui nous ont vus l'année dernière ou les années d'avant. Ah, mais ça tue, hein, moi. Je... Écoute, quand non, mais c'est simple. Si on les joue pas, on se fait défoncer. C'est le concert Skyrock. On est menacé si on joue pas demain, c'est loin. C'est le concert Skyrock, tu nous dis. En même temps, Skyrock, ils vendent leurs produits, donc leur but, c'est de passer des morceaux des groupes qui vont jouer. Bien sûr, non mais c'est pour ça. S'ils veulent jouer des morceaux, tant mieux pour eux. C'est... Non mais j'ai envie de dire, mais c'est bien d'entendre Petit Frère, etc. Je veux te dire, j'ai entendu dire c'est la même étoile sur Énergie. On n'est pas mécontents. De quoi? On est sur la même étoile sur Énergie. Quand là? Dernièrement? Il y a 3 semaines. Mais écoute, si ça peut réouvrir 2-3 portes, pourquoi pas? Si les gens peuvent dire, finalement, il y a peut-être autre chose et aller voir les autres groupes qu'il y a derrière, pourquoi pas? Et puis, si le rap peut être apprécié pour son côté créatif, ce que je rappelle à tous les grands médias, je ne vais pas vous le rappeler à vous, mais c'est tout juste la musique qui est restée le plus longtemps en haut des charts de toute l'histoire de la musique. C'est-à-dire que le rock, tout ça, ils peuvent tous se rassembler. Il n'y a aucune autre musique qui est restée autant en haut des charts que le rap. Elle a pénétré dans les charts à la fin des années 80, début des années 90 et encore aujourd'hui. Alors c'est certes, c'est du rap plus pop, plus mainstream, mais c'est un fait. Plus de 2 décennies en haut des charts. La soul, elle a disparu au bout de 6-7 ans. Le disco a disparu au bout de 5 ans. Le jazz a été dans les charts et puis après a été une musique un peu comme la musique classique qui vend dans le fond. Et même le rock n'a pas duré aussi longtemps. Donc au bout d'un moment, cette musique-là, elle a quelque chose. On aimerait qu'on soit reconnu, que notre culture soit reconnue comme une véritable culture, que les médias hip-hop soient reconnus comme de véritables médias, et que les acteurs du hip-hop, danseurs, graffeurs, DJ, soient pas des balayeurs culturels, d'animation socioculturelle, de villes de province, de fêtes en fin d'année, parce qu'on a les fonds de nos tiroirs, des subventions. Ah ben tiens, je vais faire... Je vais faire 2 danseurs là, qui dansent un peu. Il faut que ça s'arrête. Hein, avec l'apport de notre culture dans ce pays et dans des tas d'autres pays européens. Et la façon dont il a influencé plein d'aspects de la société aussi. Hein. La façon dont la musique, cette culture-là, a influencé plein d'aspects de la société. C'est la négation totale de tout ça. Sur cet album, donc moi j'ai reconnu les sonorités, j'ai reconnu la couleur artistique. Il y a un morceau qui a retenu mon attention, tu en as parlé tout à l'heure, c'était Marvel. Ouais. Parce que il y a quelque chose de nouveau là-dedans, il y a comme une prise de risque un petit peu, déjà dans la manière de poser, dans le thème abordé, un peu d'égoterie. Alors tu sais ça, on ne les met pas sur les albums. J'utilise Serval comme nom sur des mixtapes depuis bien plus de 15 ans. Mais en fait, c'est des morceaux qu'on utilise plutôt dans les tapes ou dans les apparitions. Je vois pas, par exemple, Côté Obscur, c'était déjà un peu ce truc. Non, mais je vois ce qu'il veut dire. Beaucoup plus technique que Côté Obscur parce que c'est un morceau qui a des tas de rimes internes. Ces morceaux techniquement opaques pour le grand public et pour la majorité du public. C'est plus saccadé dans le flow et plus accompagné dans le film. C'est un peu comme une autre brique dans le monde sur saison 5. C'est des morceaux qui ont l'air de petits dominés. On a toujours un truc. C'est vrai qu'on le réserve globalement plus sur des tapes ou sur des apparitions. Ça, c'est de l'aérotrip. Et les aérotrips, mais par contre, l'imagerie de super-héros, des trucs à la con qu'on utilise dans nos morceaux, qui en font jouer à certains et qui plaisent à d'autres. Ça, on a toujours fait. C'est quelque chose qui a toujours existé. Il a de l'humour, ce morceau. C'est une façon aussi de ne pas se prendre au sérieux, nous. C'est l'histoire de deux super-vilains qui viennent et qui détruisent la pop et les faux DJ électro. Et voilà, on l'a déjà fait, faire semblant qu'on est d'autres personnages, revêtir des casquettes ou des identités. C'est une façon aussi, ce que je disais, de ne pas nous prendre au sérieux. On prend notre musique très au sérieux, c'est l'auto français actuel, c'est l'autodérision. C'est au contraire, c'est un clin d'œil à justement la discussion qui avait encore rapport, mais qui était la discussion précédente, qui est une sorte de valorisation de notre musique. Et on l'a vu que les gens créditent pas le hip hop, on le crédite nous-mêmes en débarquant sur la planète pop. Et en détruisant tout, un peu comme Galactus arrive sur une planète et détruit la planète. Puisque si tu écoutes bien les paroles du titre, on s'en prend
aux chanteurs avec des guitares sèches. Parce qu'il y a des tas de gens qui ont des clichés sur le rap. Ah, les rappeurs, là, voilà. Parce que j'entends systématiquement dans les médias, oui, les rappeurs, bling bling, oh la voiture, oh les femmes à poil, tout ça. Misogyne, homophobe. Moi, je suis désolé, quand je vois une vidéo de pop, un mec qui a une guitare sèche avec un prénom qui chante au milieu d'un champ, je me demande pourquoi il est au milieu de ce champ. Qui me donne une explication qui est claire et correcte pourquoi chanter avec une guitare seule au milieu d'un champ, c'est plus intelligent que d'être derrière un grillage avec une voiture de luxe. Moi j'ai une réponse. C'est pareil. Peut-être qu'il cherche des champignons. Ou... peut-être qu'il les a mangés et il chante après. Ouais, possible. Ouais. Il va avoir affaire à Galactus. Bon, bah on va laisser le suspense. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Très bonne chose. Beaucoup de bonne musique. Du bon son, du lourd. Le monde sur mon dos comme Atlas. L'expérience du terrain qu'on matelas. Qu'on matelage, qu'on passe ma vie au tamis. Quand la haine prend le cœur des amis, ça part en bad vibe. Ceux avec qui on a partagé les choses s'aigrissent. Les appétits s'aiguisent et y'a pas de place. Les agneaux se laissent pousser les griffes. Mais seul à Gamberge, vite, il sort du panier de crack. Dans la nasse, on dit il est trop gentil. Ou bien il joue un jeu, c'est un gros bandit. Laisse-moi être clair, je suis qu'un type lambda et tu le sais. Alors s'il te plaît.